C'est comme on dit, il faut mettre des formations sur l'illettrisme parce que on a des vraies difficultés là-dessus. Parce que tous les job dating, les recrutements qu'on fera, on aura toujours ces publics-là. Les gens qui ne maîtrisent pas la langue française, les gens qui n'arrivent pas à lire. Nous, on a cette possibilité avec notre OPCO de leur donner une deuxième chance. Donc on va continuer là-dessus. Même si on aurait aimé que, voilà, quand ils sortent du lycée, du collège, qu'ils maîtrisent un minimum de la langue française. Mais maintenant, il faut faire avec et on va continuer dans ce sens-là. Pour la formation que j'ai passée, c'était bien pour moi. Voilà, avant de venir à Yenkoumouloutou, je ne parle pas comme je parle maintenant. Là, ça se voit que je parle bien. Voilà, je débrouille pas mal. On a appris beaucoup de choses. Hein. On a appris à lire, on a appris à parler. Pour la formation, ça s'est bien déroulé. J'ai apprécié, j'ai aimé. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris des cours depuis un CM2. Donc, ça s'est bien passé pour moi. J'ai aimé à faire des devoirs, les maths, les dictées et un peu de tout, quoi. Et ça a apporté beaucoup de changements pour moi parce que avant de commencer, je n'arrive pas à parler la langue française. Et j'ai mal à écrire aussi et depuis que je commençais, là maintenant là, je m'améliore, je parle mieux qu'avant et j'écris mieux qu'avant aussi. Le plan d'investissement dans les compétences a été une priorité importante du dernier quinquennat avec une mobilisation de 15 milliards d'euros et ce plan visait trois grandes priorités. Développer les compétences des personnes les moins qualifiées, mais aussi répondre aux besoins des entreprises et, bien entendu, contribuer à la transformation des compétences. Alors, en fait, sur ces formations, moi, ça m'a plu et aussi ça m'a permis à comprendre bien les chiffres parce qu'il y avait un petit souci avec les chiffres jusqu'à 80, 90 et ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu connaître qu'est-ce qu'est 80, 90. Et ça m'a aidé à avancer au niveau de l'écriture aussi. Personnel, ça m'a aidé parce que je peux maintenant, aujourd'hui, je peux remplir un papier tout seul, alors qu'apparemment, je ne pourrais pas le faire. Du coup, ça m'a aidé à ce niveau-là. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme est un groupement d'intérêt public pour lequel je travaille en Guyane aux côtés des services de l'État, de la collectivité territoriale et de tous les acteurs publics et privés impliqués dans cette lutte, en particulier ceux de l'entreprise et de l'insertion par l'activité économique, ou bien de la formation continue. Le GIP ANLCI est placé sous l'égide du ministère du Travail. Il regroupe 12 ministères représentant l'État, les collectivités territoriales, régions, départements, mairies de France, les opérateurs de compétences, dont Uniformation, qui finance la formation des salariés, et enfin les acteurs de l'emploi, de la formation en général et bien sûr les entreprises. Souvent, nous retrouvons la même problématique chez les salariés en insertion, c'est-à-dire qu'ils ont un certain degré d'illettrisme. Et pour ce faire, nous faisons appel à Uniformation, qui va financer des formations de savoir de base en CLEA, ce qui les aide beaucoup dans l'apprentissage des différents savoirs qui leur manquent, ce que nous avons mis en place avec les salariés en insertion de Kuala Faya. Nous sommes en capacité de proposer aussi ces formations grâce au PIC-IAE d'Uniformation. Ils ont des cours deux fois par semaine avec un instituteur de Camopi en l'occurrence, puisque nous sommes à Camopi, mais également un IML sur Trois-Sceaux, ce qui les aide beaucoup dans l'apprentissage des différents savoirs qui leur manquent pour pouvoir valider leur CLEA. L'État français, par l'intermédiaire d'Uniformation, OPCO de la cohésion sociale, lutte contre l'illettrisme, des salariés des structures d'insertion par l'activité économique, IAE, partout en Guyane, et en particulier dans les communes éloignées du parc amazonien, par le financement grâce au PIC-IAE des formations d'alphabétisation, français langue étrangère, FLS, remise à niveau numérique, avec, pour objectif des stagiaires, de valider leurs compétences professionnelles par l'obtention de la certification CLEA. La lutte contre l'illettrisme est un axe prioritaire pour Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale, qui est concerné sur plusieurs de ces secteurs et qui est concerné également sur nos régions ultramarines de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.
Pour lutter contre ce fléau, Uniformation déploie tous ses outils et notamment donc les essentiels qui permettent de financer des projets de formation et d'accompagner les employeurs pour la lutte contre l'illettrisme. On mobilise aussi nos partenaires, l'ANLCI, Gérib Compétences et l'ensemble des centres de formation qui nous permettent d'intervenir en proximité et sur nos territoires. La proximité, elle est absolument essentielle pour réussir à lutter contre l'illettrisme. Et Uniformation a agi sur l'ensemble de la Guyane, même dans les communes les plus éloignées du parc amazonien. On peut citer Maripasoula, Papaichton, Talouen, Kamopi. Et l'insertion par l'activité économique et la certification CLEA sont les deux principaux leviers que l'on utilise pour atteindre cet objectif. Et ainsi, en 2022, Uniformation a pu engager jusqu'à 500 000 euros de lutte contre l'illettrisme au bénéfice du public d'insertion le plus éloigné de l'emploi de Guyane.